Voici un programme linéaire qui dit de maximiser la fonction objectif z égale 7x plus 5y sous les contraintes 5x plus 2y supérieur ou égal à 11, 2x plus 3y égale à 7, xy non négatif. Et le problème, c'est trouver le dual de ce programme linéaire. Alors, le premier constat, c'est que ce programme n'est pas sous la forme standard. N'est-ce pas? Donc, constat, le primal n'est pas sous la forme, ce que nous appelons la forme standard. Pourquoi? Ben voyons. Alors, ici j'ai max, donc je suis content. Mais ici j'ai supérieur ou égal. Et le primal, je m'attendais à inférieur ou égal. Comme j'ai supérieur ou égal, j'ai dit, bon, j'ai un problème. Je ne peux pas appliquer mécaniquement, systématiquement la formule qui me permet de passer directement au dual dès que je connais le primal. Parce que j'ai supérieur ou égal. Et pire, j'ai égal. Donc ces deux signes-là ne correspondent pas à ce à quoi on s'attend. Voilà, selon la forme standard. Alors, j'ai x et y supérieur ou égal à 0, j'ai max, ça, ça va, mais j'ai supérieur ou égal et égal, ça, ça ne va pas. Cherchons à le mettre sous la forme standard. Donc, j'écris P, c'est le primal. J'ai max z égale 7x plus 5y. Alors, ça, je ne touche pas parce que c'est déjà max. Donc, je ne touche pas. Lui, il est supérieur ou égal. Et comment faire pour qu'il devienne inférieur ou égal? Je vais multiplier tout par moins 1. Parce que je sais qu'en multipliant une inéquation par moins 1, je change le sens des inégalités. Donc, c'est une bonne chose. On va multiplier par moins 1. Ce faisant, l'inéquation devient moins 5x moins 2y inférieur ou égal à moins 11. Alors, j'ai ce problème-là qui dit que 2x plus 3y égale 7. Si j'ai a égale b, ceci est équivalent à dire que a est supérieur ou égal à b et que a est inférieur ou égal à b. Donc, dire que deux nombres a et b sont égaux, donc il est nécessaire et suffisant que le premier nombre soit plus grand ou égal au deuxième ou au second, et que le premier nombre soit inférieur ou égal au second. Donc, si A est supérieur ou égal à B et que A est inférieur ou égal à B, nécessairement, A égale à B. Inversement, si A égale à B, alors A est supérieur ou égal à B et puis aussi A est inférieur ou égal à B. Donc, on peut changer une égalité en deux inégalités. On peut changer une égalité en deux inégalités. C'est ce qu'on va exploiter pour changer cette équation en deux inéquations. Je crée ici 2x plus 3y inférieur ou égal à 7, 2x plus 3y supérieur ou égal à 7, et puis x, y supérieur ou égal à 0 est contraint. Mais j'ai 2x plus 3y supérieur ou égal à 7, ça ne m'arrange pas parce que moi je voudrais avoir inférieur ou égal et inférieur ou égal. Donc qu'est-ce que je fais? Je multiplie lui par moins. Ici j'ai moins, ici j'ai inférieur ou égal, et ce programme linéaire est sous la forme standard. Sous la forme standard, et par conséquent, on peut trouver le dual qui lui correspond. J'aurai min de W égale, j'ai moins 11, 7 et moins 7 multiplié par y1, y2, y3. Et je prends une, deux, trois variables parce qu'il y a une contrainte, deux contraintes, trois contraintes. Donc je vais faire le produit scalaire de ce vecteur ligne, moins 11, 7, moins 7 par y1, y2, y3. Et il faut prendre la transposée de la matrice des coefficients des contraintes du primal. J'ai moins 5, moins 2. 2, 3, moins 2, moins 3. Si vous transposez, si vous changez les lignes en colonnes,
vous aurez moins 5 moins 2 qui va devenir moins 5 moins 2. Donc, moins 5 moins 2. 2, 3 va devenir 2, 3. 2, 3. Et puis, moins 2 moins 3 va devenir moins 2 moins 3. Moins 2 moins 3. Multiplié par y1, y2, y3. Supérieur ou égal. Alors, j'ai max de z égale 7 et 5. 7 et 5 et y1, y2, y3 non négatif. Et en développant, on a mi de w égale moins 11 y1 plus 7 y2 moins 7 y3 avec les contraintes moins 5 y1 plus 2 y2 moins 2 y3 supérieur ou égal à 7 et moins 2 y1 plus 3 y2 moins 3 y3 supérieur ou égal à 5 et puis les contraintes de non-négativité y1 y2 y3 supérieur ou égal à 0 donc j'enlève tout ça y1 y2 y3 non négatif. Alors, il y a des choses qui me gênent dans cette affaire. Si vous regardez bien le primal, il n'y a aucun coefficient négatif. Il n'y a aucun coefficient négatif dans le primal. Mais regardez le dual. Il est bourré de signes moins. Il y a un moins ici, un moins ici, un moins, un moins, un moins, un moins. Et ce n'est pas plaisant. Donc, il faut se débarrasser des moins pour avoir quelque chose d'un peu conforme au primal. Donc, pour enlever les moins, voilà ce qu'on va faire. Vous avez 7y2 moins 7y3. Si vous mettez 7 en facteur, alors vous avez 7 facteurs de y2 moins y3. Et ce qui est intéressant, c'est que la quantité y2 moins y3 apparaît partout. Elle apparaît ici. y2 moins y3 en mettant 2 en facteur. Elle apparaît ici aussi. y2 moins y3 en mettant 3 en facteur. Par conséquent, si on pose y'1, je vais poser deux choses. Premièrement, je vais poser que y'1 égale à moins y1. Donc, à moins y1. Et vous voyez que puisque y1 est positif, nécessairement, y'1 sera inférieur à 0. Et le deuxième changement de variable, c'est que y'2 sera égal à la différence entre y2 et y3. Mais quel est le signe de y'2? Étant donné que y2 et y3 sont positifs, la différence de deux nombres positifs peut être positive ou bien négative. Donc, je mets simplement que y'2 est un nombre réel. Je ne sais pas. Je ne sais pas si y'2 est positif, puisque je fais la différence entre deux nombres positifs, et que quand on fait la différence entre deux nombres positifs, on peut trouver un nombre positif ou un nombre négatif. N'est-ce pas? Si je fais 2 moins 3, c'est négatif. Mais si je fais 3 moins 2, c'est positif. Mais quand je dis y2 moins y3, je ne sais pas. Parce que y2 et y3 sont positifs. En faisant leur soustraction, leur différence, je peux être dans ce cas ou bien dans ce cas. Donc, je dis simplement que cette différence est un nombre réel. Et c'est pourquoi j'ai mis y'2 égale à y2 moins y3 est un nombre réel. Et à partir de là, on a la chose remarquable suivante. On a min de w égale moins 11 y1 va devenir simplement 11 fois y'1. Pourquoi? Eh bien parce que y'1 c'est moins y1, donc moins y1 c'est y'1, donc 11 fois y'1 plus 7 fois y'2 et les contraintes 5 y'1 plus 2 y'2 supérieur ou égal à 7 et 2 y'1 plus 3 y'2 supérieur ou égal à 5 et les contraintes pesant sur les variables de décision du dual, y'1 est négatif, mais y'2 est un nombre réel. Alors, donc ça c'est le dual. Et finalement, comme les variables
y prime 1, y prime 2 sont ce qu'on appelle les variables muettes. Les variables muettes, elles peuvent être remplacées par n'importe quel autre choix de variable, parce que j'aime pas les primes, ça me fait penser à des dérivées. Donc je vais changer y' 1 en y1 et y' 2 en conservant les signes. D'accord? Donc on peut tout aussi bien écrire que le dual cherché est min w égale 11 y1 plus 7 y2 avec 5 y1 plus 2 y2 supérieur ou égal à 7, 2 y1 plus 3 y2 supérieur ou égal à 5, mais y1 inférieur ou égal à 0 et y2 élément de R. Il s'agit de minimiser la fonction objectif z égale 8x1 plus 5x2 plus 4x3 sous les quatre contraintes suivantes. 4x1 plus 2x2 plus 8x3 égale 12. Remarquez ici le signe égal. Deuxième contrainte, 7x1 plus 5x2 plus 6x3 supérieur ou égal à 9. Troisième contrainte, 8x1 plus 5x2 plus 4x3 inférieur ou égal à 10. Et puis quatrième contrainte, 3x1 plus 7x2 plus 9x3 supérieur ou égal à 7. Et aussi les contraintes portant sur les variables de décision, x1 supérieur ou égal à 0, x2 élément de R, et puis x3 inférieur ou égal à 0. Alors manifestement, ce primal n'est pas sous la forme standard et il faut l'y annuler. Comment faire? Eh bien, voici la solution du problème. Le primal est un problème de minimisation. D'accord? Il s'agit de minimiser quelque chose. Moi, je voudrais maximiser quelque chose. Si j'ai minimisé z, cela équivaut à maximiser moins z. Sous les mêmes contraintes. Hein? Sous les mêmes contraintes. Donc, supposons que je vais minimiser z sous un ensemble de contraintes. Alors, si je garde les mêmes contraintes, ce problème est équivalent à maximiser l'opposé de z sous les mêmes contraintes. Ça veut dire que je peux écrire ici max de z égale l'opposé de cette chose, donc moins 8x1, moins 5x2, moins 4x3. Et ici j'ai le signe égal, et on a vu que quand on a égal, on pouvait changer en supérieur ou égal, et puis inférieur ou égal. Donc remplacer le signe égal par deux inéquations, on l'a vu. C'est possible, donc j'écris 4x1 plus 2x2 plus 8x3 inférieur ou égal à 12, mais aussi 4x1 plus 2x2 plus 8x3 supérieur ou égal à 12, ce qui correspond à cette seule équation. Alors, je vais écrire les autres. 7x1 plus 5x2 plus 6x3 supérieur ou égal à 9, 8x1 plus 5x2 plus 4x3 intérieur ou égal à 10, 3x1 plus 7x2 plus 9x3 supérieur ou égal à 7 et puis x1, x2, x3 non négatif. Alors, ce primal n'est toujours pas sur la forme standard. Pourquoi? Parce que j'ai supérieur ou égal, donc il me faut régler ce problème. D'accord? Donc j'ai supérieur ou égal, moi je voudrais inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal et inférieur ou égal.
Donc j'ai trois choses à résoudre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire donc max de z égale moins 8x1 moins 5x2 moins 4x3 4x1 plus 2x2 plus 2x3 inférieur ou égal à 12 moins 4x1 moins 2x2 moins 8x3 inférieur ou égal à moins 12 moins 7x1 moins 5x2 moins 6x3 inférieur ou égal à moins 9 8x1 plus 5x2 plus 4x3 inférieur ou égal à 10 moins 3x1 moins 7x2 moins 9x3 inférieur ou égal à moins 7 x1, x2, x3 non négatif. Lui il est sous la forme standard, donc on va écrire que le dual sera, alors j'ai maximisé z, donc je vais écrire minimiser, disons W, qui va être égal à quoi? Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 contraintes au primal. J'ai 5 contraintes au primal, donc j'aurai 5 variables y1, y2, y3, y4, y5. Et quels seront les coefficients de la fonction objective du dual? Eh bien, j'aurai 12 multiplié par y1 moins 12 multiplié par y2 moins 9 multiplié par y3 plus 10 fois y4 moins 7 fois y5. Et les contraintes, j'aurai 4 fois y1 moins 4 fois y2 moins 7 fois y3 plus 8 fois y4 moins 3 fois y5 supérieur ou égal à moins 8 et puis 2 fois y1 moins 2 fois y2 moins 5 fois y3 plus 5 fois y4 moins 7 fois y5 supérieur ou égal à moins 5 et enfin 8 fois y1 moins 8 fois y2 moins 6 fois y3 plus 4 fois y4 moins 9 fois y5 supérieur ou égal à moins 4. Et les contraintes de non-négativité, y1, y2, y3, y4, y5, tous supérieurs ou égaux à 0. Donc c'est ce que je vais écrire. Donc j'ai 4, y1, moins 4, y2, moins 7, y3, plus 8, y4, moins 3, y5, supérieur ou égal à moins 8.